Ah, mais en fait, je pense que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre le monde occidental et le monde russe. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense que de l'issue de la guerre en Ukraine va dépendre un nouvel équilibre du monde. Si l'Ukraine gagne, ce que je souhaite de tout mon cœur, il y aura nécessairement pour les régimes autoritaires un coup d'arrêt, aussi bien pour la Chine vis-à-vis de Taïwan que pour d'autres pays qui sont tentés, comme l'Iran, d'aller plus loin. Ou même la Turquie, même si la Turquie aujourd'hui est dans une autre situation. Il est très important que la victoire revienne à l'Ukraine, non pas simplement parce que ce seraient des territoires que l'Ukraine reprendrait, qui lui appartiennent. C'est pour ça que la demande des Ukrainiens sur le plan militaire ne peut pas être simplement pour gagner quelques kilomètres carrés. Il faut vraiment que ce soit une offensive qui permette d'infliger à Poutine une vraie défaite. Mais dans ce cas-là, tu es d'accord qu'aujourd'hui la France, comme l'Union européenne, elle participe également à cette guerre, bien qu'à leur propre niveau. Oui, ils ne veulent pas être belligérants au sens où la Russie pourrait prendre prétexte de leur soutien pour agir sur un pays européen voisin et entraîner le monde dans une guerre qui irait au-delà de l'Ukraine. Mais sans être belligérants, ils sont, comme tu l'as dit, participants. Moi, je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce qu'il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Je vais juste, excuse-moi François, juste aborder quelques autres brefs sujets. Je peux dire que la seule chose où nous avons réussi à dépasser Poutine, à part les accords de Minsk, c'est l'année 2013, lorsque nous avons réussi à chasser Yanukovych et à faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, je pense que tu as joué un rôle très important à ce moment-là. Je me souviens encore quand tu es venu à l'Élysée avec Bernard-Henri Lévy et que tu étais accompagné par Klitschko, et c'était au tout début du processus. Et si vous n'aviez pas été là, vous, il n'y aurait pas eu Biden, il n'y aurait pas eu la victoire que vous avez obtenue en chassant Yanukovych. Donc ce rôle historique qui était le tien est très important à rappeler.